On ne parle que de ça, d'un monstre sacré du théâtre qui nous offre un spectacle inédit, un seul en scène dont lui seul a le secret. Jacques Weber, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être au Figaro aujourd'hui, on est ravis de vous recevoir. L'année démarre bien pour vous, j'ai l'impression, puisque le 18 janvier prochain, vous serez donc pour la première fois en simultané et en direct au cinéma et au théâtre. Et si on en croit l'entretien que vous avez accordé à nos confrères de VSD, vous êtes plus en forme que jamais. Vous confirmez ? Oui, en tout cas, dans ma tête, tout va très bien. Et puis j'espère qu'en effet, l'année va bien se commencer, parce que c'est une entreprise tout à fait nouvelle, cette histoire pour moi. C'est deux distances à mettre ensemble l'une et l'autre, c'est-à-dire jouer au théâtre tout en étant satellisé dans des grandes salles, retransmis dans des grandes salles de cinéma. Oui, ça fait un peu peur, mais la peur est parfois bonne conseillère pour le théâtre, ça fait du bien. Alors, je vais juste revenir sur cet entretien que vous avez accordé à VSD, dont oui. Beaucoup de gens ont parlé et c'est passé un peu partout ces derniers jours. Pourquoi vous avez fait ces révélations sur votre passé et avoir dit clairement que vous avez été alcoolique ? Parce qu'il ne faut plus que ça me pose le moindre problème. Et puis, vous savez, moi, j'ai un contact très direct et absolument pas méfiant. D'ailleurs, je ne lui en veux pas du tout, au journaliste qui m'a interrogé. Mais j'étais avec lui, voilà, pour moi, c'était un homme sympathique. Et donc, je me suis mis à parler. Parfois, je pourrais bien que je regrette quelques moments d'impudeur, c'est pas impossible. Mais j'ai une nature comme ça. Parfois, je le regrette un peu, mais après tout, c'est la vérité. Oui, je suis. Et je trouve que si ça peut faire du bien à certains qui connaissent ce problème, eh ben tant mieux. Voilà, je crois que c'est important. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, je crois dans cet article, j'ai vu tellement d'amis disparaître à cause de ça que, après tout, je trouve que c'est pas mal de dire que vaut mieux pas. Quoi, voilà. Alors, en ce début d'année 2007, vous faites ce type de révélation sur l'alcool, sur les femmes aussi. Vous êtes donc sans filet sur scène dans cet inédit, ce spectacle inédit. Qu'est-ce qu'il faut voir comme message derrière ça ? Est-ce qu'il faut voir la volonté de faire peau neuve ? Une sorte de rédemption, si je puis dire ? Non, il n'y a pas. J'ai l'impression que c'est mon inconscient qui a peut-être cette volonté de dire, finalement, au moment du troisième temps de l'existence, du troisième mouvement, un peu comme une grande symphonie, bah, il semblerait que j'aille bien dans ma tête, qu'il y ait quelque chose d'assez apaisé, voire qui commence à se mettre en place une petite philosophie de la sagesse. Quoi, voilà. Alors, c'est sans doute. Mais j'ai pas du tout. Je n'ai absolument pas envie de dire aux gens qui je suis, ce que je fais, mon tout petit bonhomme n'a aucune espèce d'intérêt, puis je suis pas comme ça, enfin je crois pas. Ce qui est vrai aussi, c'est que ce spectacle dont certaines parties ont déjà existé, que j'ai déjà représenté, c'est un spectacle que vous renouvelez. Voilà, qui se renouvelle, qui prend de la patine, qui vieillit, je l'espère, comme le bon vin, et ben en plus là il y a un apport tout à fait nouveau, puisque Éric Truffaz, l'un de nos très très grands trompettistes de renommée internationale, magnifique, un son magnifique, va m'accompagner. Donc ça m'oblige à, en effet, un renouvellement de la tonalité, du rythme, du substrat de ce spectacle. Mais je n'ai pas de volonté pédagogique, je n'ai pas de volonté de me mettre tout nu, comme on dit, non. À 66 ans, voilà. Sans faire de mauvais jeu de mots avec Cyrano, vous avez l'impression de passer un cap ? Ouais, en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que je sens très profondément qu'il se pourrait que je commence à trouver que mon artisanat est bien en place. Ça ne veut pas dire, mais vraiment, il n'y a pas de fausse modestie ou de prétention. Je ne suis pas en train de dire... Je pense vraiment que je commence à faire bien mon métier. Et ça, j'en suis très heureux. Et finalement, pour moi, ce qui compte le plus, ce n'est pas tellement d'être connu, reconnu, célébrissime, célèbre, etc. Non, ce qui compte, d'être dévoilé ou découvert. Oui. Non, ce qui compte pour moi, c'est qu'au moment où je rentre en scène, que ce moment, cet acte soit beau et partagé dans ce qu'il a de chaleureux et d'humain. Voilà. Est-ce que le temps qui passe, on en parlait il y a quelques instants, ça vous affole ou au contraire, vous avez gagné en sérénité ? Vous parliez du mot sagesse tout à l'heure, d'être plus sage. C'est ce que vous ressentez ? Je m'empresse d'être serein, de peur d'être affolé. Hein, parce que voilà, parce qu'il y a des moments où ça vous prend la gorge, hein, cette histoire de vieillir. Hein. Mmh. On le connaît tous, ce petit ça. Enfin, vous prend encore, vous êtes une enfant. Mais, mais bon, voilà. il faut réagir. Il faut se dire que c'est vrai que le cœur reste jeune et le corps s'use un peu. Et vous avez un sentiment d'urgence. Oui, mais je trouve qu'il est beau, ce sentiment d'urgence.
France. Il faut, alors, faut pas qu'ils vous mettent en colère. Il faut que, il faut que la sérénité s'exerce à être urgente. Voilà, ou l'urgence s'exerce à être sereine. Voilà, c'est ça. Alors le temps passe, et justement, le 18 janvier, on y revient, vous allez proposer donc cette soirée unique au public, avec une version, on le disait, renouvelée de votre spectacle Éclat de vie. Je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce que vous avez réalisée pour l'événement. Bonsoir, je suis acteur, vous savez, donc dans très peu de temps, je vais rentrer sur scène, au théâtre, avec la mémoire pleine de textes célèbres, célébrissimes, connus, moins connus, classiques, modernes, contemporains, piqués dans les romans, dans les pièces de théâtre, dans les articles de journaux, dans les chansons, je vais même chantonner, je vais même peut-être chanter, peut-être même que quelqu'un va venir chanter avec moi, on n'en sait rien, mais surtout, je vais être dans une forme terrible, parce que j'espère que vous allez être touchés, que vous allez rire avec moi, vous allez être émus, et ça va me permettre d'improviser, et donc de encore mieux partager avec vous. Et puis le grand plaisir, c'est de vous retrouver au théâtre, dans votre cinéma de quartier, votre cinéma que vous préférez, le 18 janvier, au soir. Alors, jouer seul en scène, Jacques Weber, vous connaissez. Qu'est-ce que va vous apporter la diffusion en salle de cinéma? D'abord, moi, je ne dois surtout pas me soucier de cette double distance, hein. C'est-à-dire de jouer pour une salle en direct, il y a 600, 700 personnes qui sont devant moi, et puis de savoir que 110 salles de cinéma, France, Suisse, Belgique, etc., sont là et me regardent. Mais, par contre, je me dis que c'est peut-être une nouvelle voie. Ces histoires de satellites, c'est depuis quelques années que ça dure. L'opéra s'est mis en place de cette façon et a été vu donc par des gens qui n'avaient pas l'occasion ni les moyens de se payer Pavarotti ou Alania, etc. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est une nouvelle voie qu'il ne faut pas ignorer. Il faut la prendre, la regarder et en y participant, parce que là, ce sont les premiers pas du théâtre. Il y a eu l'opéra, il y a eu la danse, il y a eu les variétés. Là, c'est un petit peu la première fois qu'on le fait avec le théâtre. Eh bien, faut essuyer les plâtres, faut voir comment ça fonctionne, comment ça marche, pour que cette voie s'ouvre et progresse dans le bon sens et permette à des choses de qualité de pouvoir être partagées par le plus grand nombre sur une autre distance, sur un autre support, qui est celui un peu étrange, un peu à découvrir, d'un grand écran qui accueille un événement théâtral, voilà. Mais vous dites que vous allez en je faire un événement, pas au sens prétentieux, bien du sûr, temps, au sens. Mais c'est un événement de toute façon, effectivement. Mais vous dites que vous allez en faire abstraction justement de cette diffusion, mais vous pouvez pas la nier. Comment vous allez appréhender justement le fait que vous serez simultanément diffusé en salle de cinéma? Très honnêtement, vous pouvez pas le nier, ça. Ça doit changer quelque chose dans votre façon de jouer. Oui, c'est évident que le trac, disons, est un peu différent, qu'on ne l'ignore pas. Mais il faut, au moment où je joue, au moment où j'entre en scène, il faut qu'il n'y ait plus que le texte et moi et vous, le public, qui est là devant moi. Oui, parce que vous jouez dans une salle avec du public en face de vous, malgré tout. Voilà, c'est ça. Et c'est la seule chose. Pardonnez-moi cette comparaison, mais le taureau est vivant. Il est là devant moi, c'est pas une image, et c'est avec lui que c'est lui que je dois aimer et combattre en même temps. Et ça, c'est tout l'art du théâtre, et ça, c'est quand même, disons, un domaine que je connais un petit peu mieux, quoi. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Est-ce que c'est impressionner l'auditoire ou c'est le plaisir avant tout? Alors, du fond de mon cœur, je suis content que vous me posiez la question, comme ça, dirait les politiques. Ce que je cherche vraiment, vraiment. C'est d'abord d'avoir cette sensation profonde du bien, de faire quelque chose de bien, de mes mains, de mon corps, de mon cœur, de ma voix, comme un artisan, d'être content de mon objet. Et bien évidemment, si en plus cela rencontre l'adhésion du public, ce qui me semble d'ailleurs à peu près évident, si vous sentez bien la chose, ça veut dire que l'alchimie a bien fonctionné entre vous et le public. Et donc c'est un mélange. Mais je dis que ma première envie profonde, c'est entre moi et le texte. Il faut à tout prix que quelque chose de bien se passe entre lui et moi, quoi. Et après, vous savez, il y a ce que l'on donne et ce qui est reçu. Bien sûr. Et c'est quand même deux choses fondamentalement, souvent, hélas, différentes. Quand elles se réunissent, c'est pas mal. Et vous, qu'on appelle systématiquement un monstre sacré, est-ce qu'il vous est arrivé de ne chercher qu'à impressionner et d'en jouer, justement? Vous savez, monstre sacré, on le dit pour tellement de gens. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de je sais pas, enfin, il y a des moments où ça peut me toucher, mais enfin bon,
voilà, j'y fais pas trop attention. Mais moi, ce que je me dis, c'est que j'ai cette chance d'avoir travaillé longuement. Le travail à long terme commence, je crois, à porter ses fruits. Je me souviens de mes professeurs qui disaient, tu verras, quand tu joues, tu seras bien quand tu joueras les mains en bas. Ça veut dire quand tu ne démontreras plus rien. René Simon disait ça, François Florent disait ça. Et là, j'ai l'impression de connaître cette sorte d'éden de l'acteur qui est à un âge certain ou à un certain âge, où d'un seul coup, la vanité s'éloigne. De plus en plus, je ne veux pas dire qu'elle n'est plus du tout là, que l'envie de séduire n'est pas du tout là, bien au contraire. Sinon, ce serait dommage pour vous, mesdames. Mais c'est vrai, bien évidemment, la séduction fait partie de la vie, c'est très joli. Mais je crois vraiment que c'est ça qui me touche beaucoup, c'est... On arrive à ce stade, philosophique, de l'art de la comédie, et ça me touche beaucoup. Oui. L'extrême simplicité, on dirait. Oh oui, je crois que... Et comme disait Orson Welles, dans Vérité et mensonge seulement... La simplicité, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Et c'est vrai, c'est très, très dur. La simplicité au théâtre n'a rien à voir avec le pseudo-naturel de pas mal de gens qui pensent que parce qu'ils sont naturels et qu'ils vont nous raconter leur vie, ils sont bien sur scène. Ça, non, ça n'a rien à voir. En 45 ans de carrière au théâtre, d'expérience au théâtre, quelle est l'interprétation, l'incarnation qui vous a apporté le plus d'émotions ? La dernière, forcément. Bien évidemment, il y a eu des rencontres merveilleuses, Cyrano, Alceste, Don Juan, j'en passe, Tartuffe, Galilée, ça m'a beaucoup marqué. Mais la dernière, c'est Harpagon, c'était un rôle dont je rêvais étant enfant, c'est ça qui m'a donné envie de faire du théâtre. Je le disais en composition de récitation, léger, tout à l'heure, et qu'on ne le réplique pas. Et puis bon, puis je l'ai joué, et là, j'ai senti que réellement, le poids de l'âge travaillait dans le bon sens et que ça m'allégeait plus que ça m'alourdissait. Voilà. Merci beaucoup Jacques Weber pour cet entretien. Merci à vous, c'est très merci agréable, d'être merci. Venu. Je rappelle le titre de ce spectacle, Inédit, Éclat de vie. Ce sera donc le lundi 18 janvier à 20h, à la fois au théâtre et pour un soir seulement dans un certain nombre de salles de cinéma. Et si vous voulez, vous spectateurs, savoir dans quelle salle de cinéma proche de chez vous se donnera ce spectacle, il faut vous connecter sur patelive.com. Et le théâtre, c'est le Beffroi à Montrouge. C'est à 20h. Voilà. Forcément. À la même heure que dans les salles. Voilà. Merci Jacques Weber. Merci à vous. Merci.